Il pleuvait ce jour de printemps, mais en bon normand qu'il était, ce n'est pas ce qui gênait Claude. Non, il avait peur de ne rien reconnaître de l'endroit. Ah, je me rappelle, c'est l'entrée qui m'a... Et ma sœur, elle était dans ce bâtiment-là. Ah oui, mais je vous reconnais bien maintenant, là, oui. J'ai une sœur qui s'appelait Fernande. Elle est née en 25, puis elle est morte en 42. Claude n'était pas revenu ici, à l'asile de Saint-Yon, depuis son enfance, depuis la guerre, quand il avait vu sa sœur pour la dernière fois. Fernande, une petite fille toute belle, atteinte à 5 ans par la méningite, pas de vaccin à l'époque, ni de traitement. La voilà infirme, plongée pour le reste de sa vie dans un état second, à ne plus savoir parler, ni manger, ni rien faire, trop profondément atteinte pour rester à la maison. Dès l'âge de 6 ans, la voilà placée en hôpital psychiatrique. Elle ne parlait plus, il fallait la faire manger, elle faisait plus. Tout était fini. Elle était toujours comme ça. Elle ne la reconnaissait pas. Elle ne parlait pas, elle faisait. Mais elle ne parlait pas. C'est ici que son petit frère vient lui rendre visite durant des années, toutes les années 30. Il la voit dépérir, brusquement, dès le début de la guerre. Je la revois comme elle était à l'époque, quoi, c'est ça. C'était un cadavre. Il y avait la population, on y voyait les... Je n'ai jamais compris ce truc-là. Claude est loin d'être le seul à ne jamais avoir compris. Comment faire d'ailleurs? C'est de faim que sa sœur est morte dans cet hôpital psychiatrique en 1942, comme des centaines de malades ici. Moi aussi, j'ai voulu comprendre. J'étais loin de me douter que j'allais ouvrir l'une des pages les plus méconnues de notre histoire, l'une des plus honteuses aussi. Une page qui raconte comment 45 000 malades en France sont morts de faim sous le régime de Vichy, sous Pétain. 45 000 personnes dont on ne sait rien. Avant qu'elle ait la guerre, il y avait mangé suffisamment. C'est seulement à partir de la guerre que Camille Claudel, comme tous les autres, a souffert de carences alimentaires. J'en fallais au marché mort. Vous ne trouviez pas de l'huile, vous ne trouviez pas un supplément. Tout le peuple français était soumis quand même à des restrictions très dures. Et je me souviens m'être couché avec la faim. Mais la ration qui était attribuée aux patients ne leur permettait pas de survivre. L'hôpital est confronté à une situation épouvantable qui est celle de la mort massive des malades. C'est un piège affreux, abominable. Et même encore actuellement, on n'aime pas beaucoup en parler. Chez moi, quand on parle des fous, c'est pour faire peur aux enfants qui ne sont pas sages. Tu finiras à Mont-de-Vergue. Il paraît que c'est pareil partout. T'es bon pour Sainte-Anne. Allez hop, au Vinatier. J'ai grandi près d'Avignon, et Mont-de-Vergue, c'est la colline là, en face de chez moi. Elle abrite le plus grand hôpital psychiatrique de la région. Je la regardais souvent. Tout autour, ces hauts murs vous protègent, mais vous protègent de quoi? Ici est morte Camille Claudel, au bout de 30 ans d'enfermement. Pour les 70 ans de sa disparition, l'hôpital avait monté une expo. C'était l'occasion ou jamais d'aller voir dedans. Et c'est là que je suis tombée sur cette histoire. Les malades comme Camille avaient souffert de la faim. Des milliers en étaient morts. Et moi, je ne savais pas. Pas un mot dans les livres. Pourtant, sur la guerre, j'en ai lu. Alors je plonge dans cette histoire avec 70 ans de retard. Le premier obstacle que je vais devoir surmonter, c'est celui du manque d'images, d'archives et de témoins. Mais un témoin,
Coup de chance, j'en trouve un ou plutôt une très vite. La grande faucheuse a oublié Aimé Le Beau, 103 ans. Elle fut infirmière psychiatrique à l'hôpital de Maison-Blanche, à Neuilly-sur-Marne, près de Paris. C'est encore là qu'elle vit. Mais notre première rencontre n'est pas un franc succès. À l'en croire, il ne s'est rien passé dans son établissement pendant la guerre. Ailleurs peut-être, mais pas chez elle. D'ailleurs, elle n'en a jamais parlé. Non, j'ai jamais raconté tout ça. Jamais. Pour moi, c'est du passé. Voilà. Et oui. C'était une sacrée époque. Mais comment savoir si son hôpital a été touché ou pas? Il faut que j'en aie le cœur net. La réponse existe bien quelque part. Elle doit être ici, aux archives de Paris, où l'on s'efforce de tout répertorier, tout ce qui concerne les asiles parisiens ces années-là. Je prends ma carte de visiteur, je passe commande et on me sort les registres de Maison Blanche, hôpital réservé aux femmes. Je pensais gentiment remplir une page ou deux avec des noms de malades décédés dont Aimé pourrait se souvenir. Il m'aurait fallu plusieurs cahiers. Le 28 août, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du 1er janvier 42 au 1er janvier 43. On a déjà deux fois plus de morts, 39. Les registres de décès sont bien deux fois plus épais qu'avant la guerre. Dans les 500 mortes par an, cela fait 2700 victimes au total en 5 ans, rien que pour Maison Blanche. Avec ces chiffres, je suis retournée voir Aimé. Et là, tout a changé. Ben vous savez, 2700, ça me semble beaucoup. Vous avez les archives? Je suis allée voir les archives, oui. Voilà. Est-ce oui, que... si vous avez des archives, c'est que c'est vrai. Le nombre, je ne pourrais pas vous le dire, mais il y en a qui sont mortes de faim, ça c'est sûr. Hein, ça c'est sûr. Cette guerre, c'est déjà sa troisième à Aimé. Elle se souvient toute petite du bruit de la grosse Bertha, l'énorme canon allemand qui bombarda Paris en 1918. Jeune mariée, elle fut volontaire à la guerre d'Espagne. La voilà vaccinée, blindée. En 40, elle est seule. Son mari, communiste comme elle, a été fait prisonnier politique et elle a dû expédier sa fille atteinte de la polio à la montagne pour qu'au moins elle soit bien nourrie. Il ne lui reste que son travail, l'hôpital et les mêmes scènes, tous les matins, avec les malades. Une morale d'épuisement, quoi. Oh, ça a été des jours pénibles. C'était pénible. Vous savez, c'est venu comme ça, et ben on assumait. On se disait pas, c'est pas normal. On assumait. On disait, bah merde, c'est comme ça, et voilà. Ouais. Mm. Ah oui, ça a été des drôles de moments. Ce qu'a vu Aimé, c'est difficile à croire. Très peu de témoins encore vivants et peu de recherches sur ce drame. Car tous les hôpitaux n'ont pas à traiter leurs archives comme celui d'Aimé. Par endroits, elles ont été détruites à force d'être laissées en vrac, abîmées par le temps. Ailleurs, elles sont ressorties par hasard, comme chez moi, à Mondevergue, où travaillait André Castelli, infirmier psychiatrique et syndiqué, curieux de vieux papiers. Un jour, il a fait une drôle de découverte. Nous voilà dans l'ancienne centrale thermique de l'hôpital. Et sur chaque côté des chaudières, il y avait des trappes à feu où on voyait le brasier. Un jour, un ami m'appelle et il me dit « André, tu devrais venir parce que là, on vient de nous amener deux grands tas de paperasses, là, et il me semble qu'il y a peut-être des documents qui t'intéresseraient. Ce sont des documents administratifs, mais qui révèlent ce que furent les années de guerre dans cet hôpital. Ça n'avait pas plus de valeur que ça, quoi. » Alors André a fouillé pendant des années dans ses archives. Il en a tiré un livre, resté confidentiel, pour une raison au moins, le manque d'images. Il n'existe sûrement aucun reportage photo de ce qu'a été la réalité de cette situation pendant la guerre dans les hôpitaux psychiatriques. Il n'y a pas de film, enfin, pas à ma connaissance, alors qu'on a des films sur l'ouverture des camps d'extermination. Hein.
Il ne reste que 4 ou 5 photos. Voici la plus marquante. Et non, elle n'a pas été prise à Auschwitz, mais à 90 km au nord de Paris, à Clermont-de-l'Oise, près de Senlis. Elle date de 1944 et montre des civils qui pourraient être nos grands-pères, des grands-oncles, dont la seule faute est d'être malade, fou. Cette photo, la plus grande spécialiste du drame la connaît bien. C'est Isabelle von Bülzingsloven. Elle est professeure à Lyon 2. C'est l'une des rares historiennes à avoir étudié les asiles pendant la guerre. Cette photo est très intéressante parce que, contrairement aux autres qu'on a pu trouver, celle-ci n'est pas une photo médicale classique. C'est vraiment une photo qui vise à témoigner de la réalité de la dénutrition donc dans les hôpitaux psychiatriques à la fin de la guerre. Donc la démarche des psychiatres qui ont entrepris de photographier ces malades pour rendre compte de ce qui s'est passé était certainement la bonne, même si cette photo, en réalité, elle n'a pas circulé. Elle était dans le rapport qui a été commandé à l'ensemble des hôpitaux psychiatriques en 1946. Pourquoi il n'y a pratiquement pas d'image? Cette histoire n'existe pas? Ces fous qui meurent de faim, ils n'intéressent personne? Peut-être une part trop sombre de la nature humaine? Qui a honte? Qui est coupable? Je veux comprendre. Je dois d'abord trouver des victimes, savoir d'où elle venait, ce qu'elle faisait là. Il y a Fernande, Camille Claudel et aussi Hortense, la maman de Charles. Charles Julliet est écrivain, prix Goncourt de poésie. C'est un ami à moi qui avait lu son récit déchirant, celui d'un petit garçon de 7 ans, élevé par une femme très gentille, mais qui un jour à l'occasion finit par lui dire qu'elle n'est pas sa maman et que la vraie, il ne la connaîtra pas. Julien, voilà. Hortense Besson, 1942. 41 ans, je croyais qu'elle avait 38 ans. Oui, vous m'aviez dit 38, oui. Comment est-ce qu'on vous l'a dit? Comment... J'étais en train de prendre de l'eau, c'était l'été. Hein. Je buvais cette eau tiède. Et ma maman, elle me dit, ah, mais tu sais... Voilà, ta maman, elle était dans un hôpital et puis elle est morte, quoi. Enfin, Et comme dans ma famille dite adoptive, mais pour moi c'était ma famille, donc cet événement, ça restait quelque chose d'étranger. C'est longtemps après que j'ai compris, enfin, vous voyez. Charles va mettre des années à comprendre qu'elle est morte dans un hôpital psychiatrique. Avoir un proche là-bas, une honte, dans la famille de Charles, comme dans toutes les familles. C'est un tabou. Dans ma vie, j'ai dérobé une seule chose, seule. C'était sa photo. Charles n'a jamais pu en parler avec personne, sauf une voisine. La personne qui m'avait donné le plus de renseignements, c'était une dame de Gourlier, là, qui avait été son amie d'enfance et qui connaissait l'histoire de ma famille. Et une fois, j'étais venu la voir, et là, elle m'avait dit certaines choses, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? L'histoire de ce qui s'était passé un mois après ma naissance, quoi. Qu'il avait fallu l'emmener, et puis après, oui, la mort à l'hôpital, tout ça. C'était une tentative de suicide, c'est ça? Oui. En fait, on savait pas ce que... On savait rien faire contre une dépression. Il n'y avait pas de médicaments, donc on enfermait les gens pour s'en protéger, et puis pour n'avoir pas à s'en occuper, puis c'était tout. Et là, ils étaient laissés à l'abandon, enfin... Camille Claudel aussi est abandonnée. Elle est internée depuis 1913. Sa famille a mis 10 ans à le faire. Elle avait fini par se cloîtrer dans son atelier, à casser tout ce qu'elle sculptait. Elle ne s'était jamais remise de sa rupture avec Rodin. C'était lui qui était célèbre, pas elle. Et puis elle était enceinte, mais la demande de mariage ne venant pas, elle avait fini par avorter. Elle lui en veut. Se sont persécutés, psychose paranoïaque. Sa petite nièce, Reine-Marie Paris, a tout fait pour réhabiliter l'artiste, retrouvant une par une toutes ses œuvres. Son esprit l'accompagne, tous les jours. C'est inique, quoi, l'avoir laissé là. Ouais. Enfin, c'est mon avis. Oui. Voilà, c'est oui, personnel. Oui. Chez les Claudel, on a choisi Mondevergue à cause de son pensionnat,
Sorte de première classe, moins chère qu'en région parisienne, mais la voilà à 700 km de chez elle. Sa mère a été d'une cruauté épouvantable, effroyable, comme on ne peut pas imaginer une mère être aussi cruelle pour son enfant. Louise Athanaïs Claudel a interdit toute forme de visite d'étrangers. Les courriers aussi sont proscrits. Le directeur a proposé, dès 1920, de faire sortir Camille pour un essai. Cette libération ne viendra pas, jamais. Monsieur le directeur, ma fille Camille Claudel, pensionnaire de votre établissement, me demande instamment de la reprendre pour vivre avec moi. Cela n'est pas possible. Je suis très âgée et ne vaut à aucun prix accéder à sa demande. Je n'aurai aucune autorité sur elle et devrai souffrir tout ce qui lui plairait. Jamais je ne consentirai à cet arrangement. Elle ne nous a fait que trop longtemps fait marcher. Elle est très bien chez vous, très bien. Et si elle continue à être très bien chez vous, elle n'a qu'à y rester et je ne veux surtout pas la sortir de là. Voilà. Sa mère n'est même jamais venue la voir. Seul son frère Paul lui rend visite une douzaine de fois, en 30 ans, parfois avec ses enfants. Maman a été la voir avec son père et je me souviens avoir demandé à maman, mais enfin, tu l'as vue Camille, comment elle était? Et elle a dit, ben oui, moi je la trouvais tout à fait normale, elle nous parlait, demandait des nouvelles de tout le monde, elle était très gentille, très 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 bien, elle avait toute sa tête et maman me disait que dès qu'on avait le dos tourné, elle retournait dans ses rêves, dans ses idées morbides, quoi. Là où il s'est fâché avec Camille et puis il s'est réconcilié après, c'est quand il a su qu'elle avait avorté. Et ça, il le dit dans une lettre, que quelqu'un qui était très proche de lui a commis le même crime et qu'elle expie ce crime dans une maison de fous. Donc Paul Claudel voit le drame de Camille Claudel dans une perspective religieuse. Fernande, Hortense et Camille. La société enferme ses fous quand elle ne sait plus les garder, quand la maladie a tout cassé depuis trop longtemps et qu'on ne les supporte plus. Le journaliste Albert Londres décrit cela en 1925 dans l'un de ses textes les plus connus, Chez les fous. La loi n'a pas pour base l'idée de soigner et de guérir des hommes atteints d'une maladie mentale, mais la crainte que ces hommes inspirent à la société. C'est une loi de débarras. Ce monsieur est-il encore digne de demeurer parmi les vivants ou doit-il être rejeté chez les morts? Dans une portée de petits chats, on choisit le plus joli et on noie les autres. C'est quelque chose dans ce genre que nous faisons avec nos fous. Peut-être même est-ce un peu plus raffiné, on leur ôte la vie sans leur donner la mort. Les fous sont livrés à eux-mêmes, on les garde, on ne les soigne pas. Quand ils guérissent, c'est que le hasard les a pris en amitié. Ce texte coup de poing qui fait beaucoup de bruit à l'époque ne change pas grand-chose à la condition des fous, à part le nom des asiles, qui deviennent hôpitaux psychiatriques en 1938. Les conditions restent très dures. Les asiles sont essentiellement surpeuplés, donc avec à peu près 120 000 malades internés dans une centaine d'asiles. Ces hôpitaux psychiatriques sont pour l'essentiel effectivement des garderies. Très coupé du monde. On a pu parler, à mon avis à juste titre, de ghetto, avec des malades qui, socialement, ont une existence assez limitée, puisqu'ils ont souvent perdu tout contact avec l'extérieur. 120 000 malades pour 80 000 places. Certains dorment par terre sur de la paille. Il y a là des malades mentaux, des handicapés mentaux, mais aussi des gens alcooliques, d'autres en phase terminale de maladies vénériennes. Des gens abîmés par le malheur ou l'échec. Lorsque j'ai été à Mandevergue, d'abord là j'ai été frappée. Je suis restée 2 heures à me promener dans les jardins
Et écoutez, là, c'était pas du tout mon devoir d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de fleurs, c'était moche comme tout, c'était sinistre. Et j'avais peur, quoi, parce qu'on n'entendait que des cris de fous. Et ça rend fou, les cris, ça rend fou. Des pleurs, des cris, etc. Je suis restée 2 heures, j'étais envahie après par ces bruits. Et je pense que Camille, je ne sais pas comment, elle n'est pas devenue complètement folle réellement. Hein. Vous vous rappelez de quoi, du bruit, des odeurs, qu'est-ce que... Des cris. Oui, c'était impressionnant parce que vous aviez quand même les personnes agitées. Puis évidemment, c'était pas gai de voir d'arriver dans un dortoir où vous aviez des malades mentaux surexcités ou autre. Paul Clanchard, dans le dortoir, il accompagne sa maman, l'infirmière. Il a grandi ici. À l'intérieur de ces murs, ses deux parents travaillent pour l'hôpital. Les fous, c'est son monde à lui, où il joue aux cartes avec les malades, se sent plus en sécurité qu'à l'extérieur de ces murs. Petit monde étrange, même avec des yeux d'enfant. Lorsque on sortait, tout ça, lorsque le temps était orageux, vous auriez entendu monter la rumeur, des cris des différents babillons, hommes ou femmes, qui étaient à proximité. Ben vous savez, les malades mentaux à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Alors vous savez, c'était des fauves, hein. C'était pas drôle, hein. Oh non. L'asile en point de non-retour, lien distordu. 9 malades sur 10 ne reçoivent aucune visite. C'est bien ce qui a dû arriver à ces femmes, internées en 35 et 36 et qui ont dû passer par Maison Blanche. Ces photos étaient en vrac au fond d'un placard. Pas de nom derrière. Et ses visages ne disent rien à aimer. Mais maintenant que je lui remue ses souvenirs, elle a bien envie d'en parler. Elle va même nous montrer. Ben, ça a l'air fermé, oui. Il n'y a plus beaucoup de malades mentaux, hein, parce que c'est soigné maintenant. Il y a ce qu'il faut pour soigner les gens. À l'époque, il n'y avait rien. Ah ben, il y avait des personnes qui étaient délaissées, hein. Il y en avait une, comment elle s'appelait? Ça allait, là. Mais elle était drôlement mal foutue. Tout à fait... Un physique vraiment... qui n'était pas normal, quoi. C'était dommage parce que de là, ça allait bien. Mm-hmm. Mais comme elle était difforme, les parents l'avaient laissée. Ils l'avaient placée et puis ils s'en étaient plus jamais occupés. Ah oui? Vous savez, il y a des gens, hein. Pourtant, c'était leur enfant, hein, quand même. Et là, au milieu des pavillons, d'autres souvenirs reviennent à la mémoire d'Aimé. Les plus difficiles, sans doute, ceux du drame qui s'est joué pendant la guerre. On avait à peu près 70 malades là-dedans. Moi, j'étais à la première section, c'était le 6. Il y en a qui sont morts de faim dans ce bâtiment. Ben, c'était, oui... C'était plutôt au 5, au 4 plutôt que ça mourait. Là, ça tenait le coup quand même, là. On n'y pouvait rien. Il n'y avait rien à faire. Hein? Ben non. Hein? Puisqu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'y avait pas de quoi manger. Que voulez-vous faire? Vous savez, il faut y avoir passé pour se rendre compte, hein. Quand on n'y a pas passé, on ne peut pas s'imaginer. Tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est l'époque... L'entrée en guerre, 1940, la déroute, l'exode, l'occupation, et très vite, le temps des privations, pour tout le monde. Les cartes de rationnement, elles sont instaurées en septembre 40 pour l'ensemble de la population, donc pour les malades internés de la même façon, avec différentes catégories de consommateurs qui sont identifiées. 250 grammes de pain en moyenne, par jour et par adulte, 25 grammes de viande, 8 grammes de matière grasse. Voici une ration quotidienne pendant l'occupation, soit 1200 calories, quand les besoins d'un homme sont évalués au double, 2500 au minimum. Les Français vont souffrir et sont prévenus. Mes chers amis, l'année 1941 sera difficile. Nous aurons faim. La guerre nous a enlevé une part importante de nos récoltes. Le blocus nous prive d'un ravitaillement.
Je fais appel à l'ingéniosité des Français pour qu'ils improvisent eux-mêmes les moyens de compléter leur alimentation. Mais que chacun compte d'abord sur soi-même. Ne compter que sur soi-même ? Et comment on fait quand on n'est pas libre de ses mouvements, ni de soi ? Quand dehors, on s'en sort à peu près avec le marché noir, les lieux fermés sont fermés au trafic. Dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi les hospices ou les orphelinats, la consigne est même stricte. Un maximum de restrictions compatibles avec l'état de vos malades. Ce sera même pire, les stocks s'épuisent, d'un coup. Ça a été rapide. Ça a été rapide à ce que ça arrive. Ah oui. Il y avait la boîte à cochons dans le temps. Les malades qui mangeaient pas tout, on mettait dans la boîte à cochons. Et le récipient qui était haut comme ça était plein. Et il y avait une voiture qui emmenait ça à Ville-Évrard. Parce qu'à Ville-Évrard, ils avaient des cochons. Mais là, la boîte à cochons, elle était comme ça. Il n'y avait rien dedans. Je vous lis juste là, par exemple, le directeur qui dit « Les conséquences de la sous-alimentation par suite du rationnement très sévère appliqué dans notre région commencèrent à se faire sentir dès 1940. » C'est-à-dire que c'est dès la fin de l'année 1940 que ces restrictions apparaissent dans l'hôpital. Ce qui n'est pas le cas de partout. À l'époque, beaucoup d'asiles comme Ville-Évrard en face de Maison-Blanche où Mondevergue ont une ferme avec des champs, des cochons. Mais ces années-là, ils sont tenus de reverser au ravitaillement une grande partie de leur production quand ils produisent encore. Très vite, il n'y a plus de charbon, plus d'essence dans le tracteur. On aurait pu labourer avec les chevaux, mais au bout d'un moment, on a eu tellement faim, on a fini par les manger. Pour le reste, les repas quotidiens, il faut s'approvisionner par appel d'offres, encore moins simple en temps de guerre, dans les grands établissements. Il faut fournir dans les 6000 repas par jour. C'est comme ça à l'asile du Vinatier à Lyon ou à celui de Saint-Égrève, près de Grenoble. Un historien a étudié le destin de ces deux établissements. Il s'appelle Samuel Audier. Il en a fait une thèse. Avec d'affreux morceaux de vérité. On voit au début les restrictions, les administrateurs du Vinatier qui essayent quand même de trouver de la qualité, qui essayent quand même de... Mais très vite, de toute façon, ils ne trouvent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Les quantités, par rapport à ce qui a été pris par les Allemands, par rapport à ce qui a été... Les quantités n'existent plus. Plus personne n'est capable de fournir. Paul Clanchard commence à travailler à l'âge de 17 ans pour l'économe de l'hôpital. Le poissonnier, je lui dis, je ne veux pas vous servir pour une raison simple, c'est que le poisson, avec les transports qui ne marchent pas toujours, avec l'occupation et tout, le poisson est arrivé avarié, je ne peux pas vous le servir, et donc il fallait le remplacer par autre chose. À cette époque, nos stocks en matière grasse, légumes secs, pâtes, sucre, etc. étant épuisés, le régime des légumes verts à presque tous les repas fit son apparition avec ses conséquences inévitables, monotonie des menus, très médiocre valeur nutritive, etc. Le menu des malades est décidé en principe par le règlement intérieur. Et au final, eh bien, on réalise qu'on est en dessous des 1200 calories. Et puis surtout, on a un menu extrêmement déséquilibré. Voilà, donc ça c'est le menu de la journée, quoi. Donc c'est navet, matin, midi, et alors le soir vous avez des chouraves. Là il y a un peu du bœuf. 15 grammes. Carotte navet. 15 grammes, hein, c'est pas ce qui vous fera grossir. Hein. Oui, bon, 15 grammes de viande, c'est ça. Et aucune raison d'avoir pour ce prix les meilleurs morceaux. Le pain, il était jaune. Jaune comme ça, tiens le pain. Je sais pas ce que c'était que ce pain-là. C'était pas le pain qui était jaune, c'était la farine. Donc vous voyez le pain comment il pouvait être. Alors, c'était dégueulasse. Il y avait une malade qui allait au pissenlit. Elle ramenait les pissenlits. Ben, vous savez, une fois que c'est cuit, c'est bon le pissenlit. C'est pas nourrissant, mais ça trompe la faim. Aux archives, je tombe sur le registre des stocks de Maison-Blanche. Pénurie de farine, pénurie de pâtes, pénurie de tout. Pas de gras non plus, même le sandwich, il n'y en a pas, 2 kilos de sandwich. Ne sachant plus comment remplir les assiettes, l'économe de Mondevergue envoie Paul un matin
chercher un stock d'une graine que l'on donne d'habitude aux chevaux. Le directeur me dit, à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, ils ont réussi à obtenir de la pesote. La pesote, c'est une lentille sauvage. On m'en a bloqué, je ne sais pas combien, de dizaines ou de centaines de kilos, condition qu'on dirait, avec un véhicule, le chercher. Et je suis allé chercher de la pesote, ce qui a remplacé la lentille. Lui qui fait des kilomètres pour aller chercher n'importe quoi, pourvu que l'on mange, vous ne ferez pas dire à Paul qu'on est mort de faim à Mondevergue. Il a passé toute sa vie avec les fous. Et dire ça, non, il ne peut pas. On n'est pas mort de faim à Mondevergue. On est mort parce qu'il manquait des matières grasses, parce qu'il manquait du poisson, parce qu'il manquait de la viande. Pour se remplir le ventre, ça suffisait, de mettre deux rations de navet, vous remplissiez l'estomac. Quel profit vous en tirez, ça c'est un autre problème. Mais il ne mourrait pas de faim. Mort de faim n'est pas un diagnostic, donc ça ne figure pas tel quel dans des dossiers médicaux. Donc il faut qu'on interprète les diagnostics de décès pour comprendre qu'éventuellement le malade est mort de faim ou pas. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème pour les mémoires. Ces morts de faim qui, techniquement, n'en sont pas. On va voir ce que ça donne dans les registres, mais finissons d'abord nos assiettes. On avait des gamelles hautes comme ça, qui étaient pleines de soupe. Mais la soupe, c'était jamais que de la flotte, hein. Et c'était de l'eau chaude. C'est évident. Ça. Qu'est-ce que vous voulez mettre? Vous ne pouvez pas mettre du lard dedans, vous ne pouvez pas. Et mettre de l'huile, il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas mettre du beurre, il n'y en a pas. Mais on ne peut pas prétendre qu'on nourrit les gens quand on leur apporte de l'eau chaude à la place de la soupe. Non, non. Donc on ne pouvait pas nourrir les gens. Non. Puis ce qu'il y avait, c'est qu'elles étaient visitées par leur famille, les jeudis et le dimanche. Et les familles leur apportaient quand même. Certaines, mais pas toutes. Celles qui avaient de la famille. Bien sûr, une malade qui n'avait pas de famille, elle était foutue. C'est par là qu'on venait les voir, oui. On était pris 20 impôts pour faire un colis pour la sœur. Et s'il y avait un bout de pain, s'il y avait un biscuit ou du chocolat, on touchait du chocolat. Alors elle prenait du chocolat pour y mettre. Mais est-ce qu'elle l'avait? Une fois que le colis était là, on ne savait pas s'il lui donnait. Si nous, on avait pu la faire manger, ça aurait été bon. Mais non. Il a mis une tranche de jambon, elle l'a attrapée, puis elle a mangé comme... Alors, il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. Là. Les colis des familles sont souvent redistribués à tous les malades, par souci d'équité. Mais ailleurs, parfois... Les denrées n'arrivent même pas, pour d'autres raisons inavouables. On les vole. Au fin fond du malheur, il y a Clermont-de-l'Oise, d'où vient cette photo si terrible, le plus grand des asiles français, un parc immense, trois médecins restés sur place, les autres sont au front ou ailleurs, trois médecins pour 5000 malades. Et ici, on pique dans les stocks, parfois même franchement, du charbon, du savon, de la viande. Les jours de fouille générale, l'allée centrale est jonchée de paquets tombés des poches. On a laissé les choses faire. Donc la nourriture, elle a été détournée par le personnel, par des trafiquants, au point qu'on avait nommé cet hôpital la Samaritaine. Enfin, la population environnante... avait nommé cet hôpital la Samaritaine, bon, ce qui était quand même... À la Samaritaine, on trouve tout. Eh ben, on trouvait tout, effectivement, dans cet établissement. Donc il y a eu une enquête, il y a eu des sanctions qui ont été prises, mais la guerre était finie à ce moment-là. Au même rythme que la fonte des stocks, les corps s'abîment. Dans les dossiers des malades, on trouve des lettres de médecins qui se mettent à écrire à tout le monde, d'abord aux familles. Votre frère est devenu malpropre, négligé dans sa tenue, urinant au lit. Il a dû être alité au pavillon d'infirmerie des malpropres. Il présente en outre des signes d'insuffisance cardio-rénale avec cœur
asservi et ralenti et enflure généralisée. Cet état m'inspire quelques inquiétudes. Enflure généralisée, donc c'est la situation d'un œdème qui se crée par la rétention d'eau dans le cœur. Camille Claudel est morte de cette manière-là. L'œdème, c'est la conséquence directe de la malnutrition. Voici ce que ça donne sur un homme. La photo a été prise à Bordeaux. On est déjà loin de la petite complication. Ah bah ça, on voyait qu'elles avaient de l'œdème aux jambes. Mais que voulez-vous faire? On n'avait pas de remède, hein? On n'avait pas de remède pour ça. L'œdème, il vient tout doucement. Il monte tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Jusqu'à temps que le cœur, il lâche. En mars, 36 kilos. En novembre 27, 1941. Comme si ça pouvait les soigner, les médecins tentent des traitements bizarres. Du sang de bovidé, des extraits ovariens, mais ça ne marche pas. Alors les infirmières continuent tous les mois à peser leurs malades. Des courbes de poids qui s'effondrent. Comme cette femme, 52 kilos en janvier 41, et qui meurt en décembre à 28 kilos. Cause du décès, cachexie. La cachexie, c'est la maigreur qui reste plus que la peau et les os. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus que la peau et les os. Voilà. À Mont-de-Vergue, à Saint-Égrève, à Maison-Blanche, partout où j'ai fouillé, les registres en sont pleins. Cachexie. 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 Cachexie, cachexie. 4 morts le 19 juin. 4 morts le 22 juin. Cachexie. Et il y en avait une, comment elle s'appelait elle était une grande. Elle avait bouffé je ne sais plus quoi. Elle avait mangé quelque chose du tissu, je crois, je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça. Ça a été horrible de voir comme elle avait faim. Horrible. Alors on servait, quoi, ce qu'on nous donnait, on servait. Alors il y en avait une, elle me disait, menteuse, tu ne m'as pas donné à manger. Oh, écoutez, ça me... J'étais pétrifiée quand elle me disait ça. Menteuse, tu ne m'as pas donné à manger. Oh, la pététin, elle s'appelait. Oh, elle était grande, elle était costaud. Elle avait faim, la pauvre. Oh là là. Sans rien d'autre comme précision, aux archives de Paris, en une semaine, ils vous la retrouvent, Madame Pététin. Merci. Elle s'appelait Irma, morte un 1er mars, après 20 ans d'internement. Elle était entrée juste après son mariage. Son mari est mort avant elle. Le médecin n'a donc plus personne à alerter. Elle est morte en 42, le médecin n'a plus rien écrit depuis décembre 39. Ah ça, je ne sais pas si j'étais inquiet ou pas. Comment voulez-vous... Hey, qu'est-ce que je voyais le médecin? On lui ouvrait la porte, il entrait, il passait dans le dortoir, il passait au bureau, il signait les cahiers, et puis hop, il partait. Qu'est-ce qu'on le voyait? On le voyait 10 minutes, même pas. Mais il voyait bien sûr ce qui se passait. Hein? Il voyait bien sûr ce qui se passait, vous leur disiez? Bah bien sûr, bah on ne disait pas, vous n'aviez pas le droit de causer au médecin. Oh là là, c'était pas de la tarte. On parlait pas aux médecins, ma pauvre. Pourquoi? C'était des seigneurs. Et nous, on était la basse classe. Pourtant, partout, les médecins s'affolent, demandent aux familles de venir chercher leurs proches, précisant qu'ils craignent pour leur santé. Mais peu acceptent. Monsieur le docteur, j'ai été très surprise que mon frère, X Louis, vous ait demandé sa sortie. Dimanche dernier, à sa permission, je lui disais encore qu'il devait rester à Vinatier jusqu'à la fin des hostilités, car il ne trouverait pas de travail. Puis je craindrais que par ces temps de désordre, s'il sortait, il ait de mauvaises fréquentations et se remette à boire. Le psychiatre n'a pas les moyens de passer outre ce refus de la sœur de Louis. Et donc, effectivement, quelques mois plus tard, 2 mois plus tard exactement, Louis meurt de faim en dépit de la présence assez rapprochée de sa sœur.
Les médecins rencontrent encore moins de succès dans leurs courriers à l'administration, même quand là, ils n'ont pas à prendre de pincettes, qu'ils y vont franchement. Monsieur le directeur, en janvier 1941, dans un rapport adressé à monsieur le préfet de l'Isère, nous disions combien la situation de nos malades était alarmante. Nos prévisions se sont malheureusement plus que réalisées. D'angoissant, le sort des malades confiés à nos soins est devenu tragique. Chaque jour, à notre visite, nous passons en revue des êtres amaigris, au point souvent d'être méconnaissables. Beaucoup sont dans un état de cachexie extrême. Ils nous disent qu'ils ont faim et nous supplient d'améliorer leur régime alimentaire. Certains et certaines de nos malades sont suffisamment lucides pour s'affecter de la disparition presque quotidienne de leurs compagnons ou compagnes. Ils craignent de voir s'installer chez eux certains œdèmes qu'ils connaissent bien, signe précurseur d'une mort imminente. Nous, médecins chargés de combattre tout ce qui peut mettre en danger l'existence de nos malades, nous assistons impuissants à cette misère. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où les aliénés étaient considérés comme des malfaiteurs ou des possédés du démon. Si lourdes que soient les charges qu'ils imposent à la société, ce sont des malades capables de souffrir physiquement, en particulier de la faim, comme tout être humain. Nous en avons pour preuve leurs réclamations et surtout leurs supplications chaque matin à la visite. Il faut d'autant plus les secourir qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes et qu'ils ne sont pas responsables de la tragique situation où les met un internement qu'ils n'ont pas demandé. Donc voilà, on comprend aussi toute la détresse de ces médecins hein, qui sont là pour soigner et puis qui se contentent finalement d'observer des gens qui meurent de faim, les gens qu'on leur a confiés. Confiés aux bons soins de l'État, et l'État n'en a pas pris soin. En témoignent ces deux autres photos de malades encore vivants, internés à Toulouse. Là, vous voyez, le directeur, il dit « À partir de l'hiver 40-41, tout malade homme présentant des signes de carence et devant se contenter de la ration normale attribuée à chaque aliéné par le ravitaillement était à peu près sûrement condamné à disparaître à plus ou moins brève échéance. » Et l'administration, sous la forme du ravitaillement général, eh bien, elle a une réponse qui est sourde et aveugle et qui est une réponse uniquement comptable et qui refusent de voir la souffrance humaine derrière. Les appels des médecins restent sans réponse quand les morts se comptent désormais par milliers de toutes les classes sociales. Dans le dossier médical de Camille Claudel, deux fois des œdèmes de malnutrition, dont un gros comme une orange sur le dos qui la cloue au lit durant des semaines. Elle a déjà 79 ans. Le directeur l'a vue s'affaiblir. Il l'a écrit plusieurs fois à Paul. Il lui signale encore en septembre 43 qu'elle a les mains qui enflent, signe de carence. Alors Paul revient, une dernière fois, après 6 ans d'absence. L'infirmière me dit qu'elle est en enfance. Sur cette grande, alors c'est beau ça, sur cette grande figure où le front est resté superbe, génial, on voit une expression d'innocence et de bonheur. Elle est très affectueuse, tout le monde l'aime, me dit-on. Amer, amer, regret de l'avoir aussi longtemps abandonnée. Voilà, c'est terrible, hein. c'est très émouvant, c'est magnifique. C'est triste, on sent la tristesse de Paul. Hein. On sent qu'il regrette de n'avoir rien pu faire de mieux, quoi. Quelquefois, il disait « j'ai fait ce que j'ai pu », c'est-à-dire c'est le seul qui a été l'avoir dans l'asile. Et quelquefois, il dit « sans mon éloignement perpétuel de France, j'aurais pu faire mieux, et mes parents aussi. Et nous n'avons pas été à la hauteur ». Voilà ce qu'il dit à la fin. Ça, c'est le terme qu'il emploie, le mot de la fin. Le 19 octobre 43, Paul reçoit 2 télégrammes. 11h30, sœur très fatiguée, jours en danger. 17h, votre sœur décédée. Camille a succombé à un ictus apoplectique, une attaque. Il n'est pas là aux obsèques. Il n'y a personne. Ben, le prêtre dit qu'est-ce qu'on fait? Alors, il envoie 500 francs de l'époque. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il ne dit pas qu'il faut une concession, il faut la mettre dans un cercueil de bois en chêne et de construire une tombe, quoi, comme tout le monde. Voilà.
Non, elle dit pas ça. Dans cette période-là, et notamment en 1943, tous les jours, le corbillard amenait entre 5 et 10 corps à la fosse commune du cimetière de Montfavet. Hein. Voilà, donc, et Camille est partie de cette manière-là. Camille est inhumée le 21 octobre, dans le Carré des Fous. C'est le père de Paul Clanchard qui a dû la conduire au cimetière. Il est chauffeur et ces années-là, il aménage sa fourgonnette en corbillard, pas du genre de celui que l'on trouve au musée de Villévrard, non, bien plus gros, à 8 places. Je sais qu'il a charrié beaucoup de décès. Il y en avait plusieurs à la fois, mais le nombre, je ne les ai pas comptés, tout ça. Je sais qu'à l'époque où il y avait des décès en quantité, eh bien, l'activité du véhicule, qui n'était pas un véhicule fait pour ça, hein, c'était la camionnette de l'hôpital. Vous avez vu les corps transportés par votre père ? Non. J'ai vu les cercueils, mais... Non. Comme Camille est devenue célèbre, sa famille lui a fait ériger un mémorial au cimetière. Les touristes cherchent sa tombe et elle n'en a pas. Elle est restée avec les autres dans la fosse commune, comme si ces fous n'étaient même pas dignes d'avoir, comme tout le monde, de vraies funérailles. Ces années-là, tous les jours, les mêmes scènes d'enterrement à la va-vite, de Mont-de-Vergue, à Bordeaux, à Saint-Égrève, Dijon, Bourg-en-Bresse ou Maison-Blanche. Oui, ça a été terrible. Ensevelir les malades me rappelle un dimanche. Ça me restera toujours. 4 malades que j'ai ensevelis ce dimanche-là. La dernière à 1h30 de l'après-midi, je quittais à 2h. 4 le matin. Ah, ça oui. On a beau la décrire, la voir de plus près, une telle hécatombe, au fond. Comment est-ce possible ? Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Est-ce à cause de l'époque, la guerre et aussi les mentalités ? Est-ce tout simplement parce qu'au fond, on méprise ces fous ? Il y a effectivement cette idée selon laquelle ces gens-là n'ont pas une grande utilité sociale ni humaine. Les voir mourir massivement n'est pas forcément un gros problème, quoi. Voilà. Ça, je pense que c'est une réalité, et qui, y compris, de mon point de vue, traverse les services de l'État de l'époque. Et les théories d'Alexis Carrel sont descendues jusque dans les préfectures de département. Et les préfectures sont plus ou moins pénétrées de théories selon lesquelles les malades mentaux font partie, comme d'autres franges de la population, font partie de ce qui est inutile, voire dangereux. Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912, chirurgien français qui épate jusqu'aux États-Unis, et auteur d'un best-seller que tous ses contemporains se doivent d'avoir lu, L'homme, cet inconnu. Il affirme qu'il faut sélectionner les individus pour améliorer la race humaine. On appelle cela l'eugénisme, ses théories. Max Lafont est tombé dessus en écrivant sa thèse. Il est psychiatre, c'est lui qui a déterré ce scandale des fous morts de faim au début des années 80. J'ai retrouvé dans la bibliothèque parentale une version non expurgée, c'est-à-dire vraiment native, de L'homme c'est inconnu d'Alexis Carrel. Et ce qui m'a permis de faire des citations comme il faudrait pour ces personnes disposer de chambres à gaz ou bien d'autres méthodes humaines, dit-il, hein, entre guillemets, hein, c'est, faut que ce soit humain, attention. Hein. Nous savons que la sélection naturelle n'a pas joué son rôle depuis longtemps, que beaucoup d'individus inférieurs ont été conservés grâce aux efforts de la médecine, que leur multiplication a été nuisible à la race. Pour la perpétuation d'une élite, l'eugénisme est indispensable. On ne réglera jamais la reproduction des êtres humains comme celle des animaux. Cependant, il deviendra possible d'empêcher la propagation des fous et des faibles d'esprit. Mais en attendant, nous devons nous occuper des criminels de façon effective. Un établissement euthanasique pourvu de gaz approprié permettrait d'en disposer de façon humaine et économique. Le même traitement ne serait-il pas applicable aux fous qui ont commis des actes criminels ?
il ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne par rapport à l'individu sain. Et Carrel n'est pas seul, ses thèses infusent dans la société. Que dire d'Édouard Herriot, maire de Lyon durant 52 ans, trois fois Premier ministre, on disait alors président du Conseil, entré dans l'histoire comme un type bien. Monsieur le préfet du Rhône nous signale une fois de plus le douloureux accroissement du nombre des aliénés hospitalisés au Vinatier. 1000 malades de plus en 10 ans. Non seulement il y a là une indication très importante pour l'avenir de la race, mais cet accroissement accable les deniers publics. Un malade qui a séjourné pendant 10 ans a coûté 55 000 francs. C'est-à-dire plus qu'il ne serait nécessaire pour élever dans des conditions heureuses un enfant. On a donc raison de dire qu'il vaut bien mieux laisser mourir un aliéné et sauver un enfant. Quelqu'un comme Édouard Herriot, qui dans l'entre-deux-guerres disait « on ferait mieux de garder notre argent pour sauver des enfants plutôt que de dépenser de l'argent pour les aliénés dans les asiles », et il le dit clairement, il vaut mieux laisser mourir un aliéné et plutôt dépenser de l'argent pour les enfants. Bon, ces gens-là sont de gauche. Je dois dire que ça a été une découverte assez étonnante. Sa théorie, c'est que soit le malade guérit tout seul, soit il ne guérit jamais. Donc là, il n'y a pas de place pour la psychiatrie. En Allemagne, Adolf Hitler aussi apprécie beaucoup le livre de Carrel. Mais il faut ici préciser et même insister sur un point. La France de Carrel, de Herriot, de Pétain n'est pas le Reich. On est tenté de comparer ce drame avec celui des fous allemands. Mais il faut bien qu'on regarde. Hitler, lui, donne un ordre clair, secret, d'exterminer ces fous. C'est l'action T4. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action T4 visait à supprimer 70 000 malades. C'est le calcul qui avait été fait en amont. L'idée, c'était effectivement de sélectionner les malades les plus atteints, donc ceux qui sont considérés comme n'ayant aucune valeur sociale, de les tuer avec des moyens médicamenteux, donc des injections, et par la sous-alimentation. Les deux ont toujours été liés. Hitler fera éliminer 200 000 fous au total, en plusieurs programmes, par les injections, puis par le gaz. Il fait aussi déporter 100 fous d'Alsace, puisque l'Alsace est alors annexée. Un seul d'entre eux reviendra. Pour préparer les esprits, le Reich fait filmer les malades comme des animaux. 6 films au total. Celui-ci s'appelle Erbkrank, ce qui veut dire atteint d'un mal héréditaire. L'extermination des malades mentaux a été le prélude à l'extermination des juifs. Et souvent, ce sont les mêmes personnes qui ont encadré les opérations d'extermination des malades mentaux et ceux qui ensuite, puisque chronologiquement c'est décalé, ont encadré les opérations d'extermination des juifs. Alors en France, la situation est effectivement absolument pas comparable. Il n'y a à aucun moment de directive qui vise à supprimer les malades mentaux. Alors bon, certains ont pu dire que ces directives étaient peut-être orales ou peut-être qu'elles ont été cachées. Tout ça n'est pas possible. L'action T4 était une action secrète et puis les historiens ont bien montré qu'il y avait une documentation énorme à mobiliser pour mieux connaître cette action T4 et surtout la façon dont elle a été mise en œuvre sur le terrain. Donc c'est pas très tenable comme argument. Côté français, donc pas de directive, et puis au contraire, cette fameuse circulaire de décembre 42 qui finalement vise à sauver les malades mentaux de la famine. Le 4 décembre 42, une circulaire de Vichy ordonne de réalimenter les fous. La France n'est donc pas l'Allemagne. Ici, pas d'ordre. On n'en a jamais trouvé la trace, malgré 70 ans de recherche faites par des historiens, des familles et des militants de la mémoire des fous qui ne voient pas comment Vichy a pu laisser mourir 45 000 personnes sans le faire exprès. Non, tout ce qu'il ressort des tonnes d'archives de l'époque, c'est ce contre-ordre venu de Vichy avec cette circulaire, mais qui arrive bien tard. Près de 3 ans se sont déjà écoulés. On ne peut pas dire non plus que Vichy a fait ce qu'il fallait pour éviter ça, puisque dès 1941, il y a suffisamment d'indications dans toutes les préfectures de France pour que l'État puisse prendre des mesures quand même. Et ces mesures, elles ne viendront pas
avant décembre 1942, et encore de manière, somme toute, assez ténue. Malgré le retour timide d'un certain approvisionnement, les corps sont abîmés. La courbe de décès ne redeviendra normale qu'après 1945. Pas d'ordre donc contre les fous au niveau national, non. Mais au niveau local, c'est beaucoup plus compliqué. Les autorités refusent la plupart du temps toute solution pour atténuer la famine, quand on aurait pu, par endroits, faire autrement. C'est-à-dire que l'économe essayait de faire son marché chez des amis agriculteurs de la région, mais de la région proche, pour essayer de récupérer quelques nourritures. Mais on l'a vite dissuadé, on lui a vite demandé d'arrêter ce type de procédure, quoi, voilà. Même aller voir un gros agriculteur qui pourrait nous fournir, par exemple, 200 kilos de haricots en graines, d'abord, le type, il n'aurait pas fait, il aurait préféré vendre ses 200 kilos à un kilo ici, un kilo là, et tout ça, avoir de l'argent d'une tombe, que prendre des risques de le faire avec un hôpital. Lui prendre les risques, mais alors le directeur de l'hôpital ou l'économe, ils se font des caniers. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un directeur d'hôpital est sous la coupe de la préfecture, laquelle préfecture est sous la coupe du régime de Vichy, et Vichy est sous la coupe des Allemands, eh bien, on ne peut pas demander à ce monsieur de ne pas exécuter certains ordres, même s'il est contraire du point de vue éthique. Dans les préfectures, on les voit, ces gens bien zélés, tentés par cet eugénisme, ce goût du tri pour ne garder que les meilleurs, les récupérables, c'est ainsi que les désigne l'administration. Samuel Audier a retrouvé à Grenoble une lettre d'avril 1942 où il est question d'un stock de riz que l'hôpital conserve depuis 3 ans en attendant une autorisation. Une négociation lunaire. Plusieurs centaines de malades sont déjà morts quand les autorités consentent à leur laisser cette nourriture. Demandez à vos médecins de désigner les bénéficiaires par classement basé sur la distinction ci-après. Les malades récupérables, c'est-à-dire ceux qui, par un traitement approprié et un séjour de courte durée dans votre hôpital, pourront être rendus à la liberté et reprendre leur place dans la société et leur activité antérieure, ce sont ceux-là qu'il convient de réalimenter. Pour ceux, au contraire, qui sont condamnés à bref délai, comme j'en ai vu un assez grand nombre au cours de ma récente visite, il n'est pas possible de faire des prélèvements exceptionnels sur le rationnement général, très gêné actuellement, surtout pour le pain et la viande. Dans la page 34 du rapport du directeur, il écrit dans un paragraphe « La situation déplorable du ravitaillement de notre hôpital fut par ailleurs maintes fois signalée aux autorités compétentes. De nombreuses démarches furent effectuées et une réponse verbale, ouvrez les guillemets, il y a des malades plus intéressants que les vôtres, fermez les guillemets, souligne bien la situation tragique du moment. » Mais encore une fois, le sentiment, c'est pas on va se débarrasser des aliénés comme ça. Le sentiment, c'est on ne va pas remettre en cause tout un système qu'on impose à tous les Français simplement pour des malades qu'on ne voit pas. En période de crise alimentaire sévère, certainement, on s'est posé la question de savoir si ces malades devaient, la survie de ces malades était vraiment prioritaire. Bon, finalement, avec la circulaire de décembre 1942, qu'on appelle un peu à tort la circulaire Bonafous, on voit bien que la question est tranchée, c'est-à-dire que l'argument économique et l'argument eugéniste ne l'emportent pas, c'est finalement l'argument humaniste qui l'emporte, peut-être de justesse, sûrement de justesse, mais en tout cas il l'emporte. Vous pensez pas qu'il y a des gens qui ont voulu faire mourir les malades pour que ça coûte moins cher ? Faire mourir des malades ? Ouais. Oh, quand même pas, hein. Non, quand même pas. Faudrait être anormal pour faire ça, quand même. Oh, non. Non. Mais mes collègues et moi, on faisait tout pour les aider le mieux possible. Hein? On apportait de chez nous pour leur donner à manger, alors. Quand il y avait des cerises sur le cerisier, je cueillais des cerises, je leur apportais des cerises. Et pourtant, tout le monde n'est pas mort partout. Parce que même avec Vichy, les Allemands, les prix et le manque de nourriture, il était possible de faire autrement. Certains l'ont fait. Ils ont contourné le système. Les établissements qui ne sont pas régis par un système
trop administratifs, qui sont des petits établissements, avec le fait que c'est un médecin-chef qui est le médecin-directeur, bon, ils ont trouvé des solutions. Ils ont fait alliance aussi avec l'administration, qui souvent, l'administration, ce sont souvent des confréries religieuses. Ils trouvent des solutions. Ils en ont trouvé. Je ne dirais pas qu'ils ont eu zéro mort, non. Ils ont eu quand même des privations, mais ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et ça, c'est une chose que j'ai montré dès l'époque. Là où il y a eu hécatombe, c'est les grands établissements, comme Vénétier, comme Clermont-de-Loise, comme Ville-Évrard, toute la couronne parisienne. Hein. Certains asiles sont tenus par des sœurs, comme ici à Picauville, près de Caen, et elles ne s'embêtent pas avec les questions administratives. Pas d'appel d'offres, ni d'adjudication, pas de préfecture sur le dos, beaucoup moins de victimes. Effectivement, il y a cette histoire de cette mère supérieure qui achète tout un bateau de riz. Alors, c'est tout au début de la guerre, tout un bateau de riz qui arrive à Marseille, qu'il fait venir et qui ensuite le distribue entre les différents établissements de sa congrégation. Les sœurs vont même aller jusqu'à prendre la route avec leurs malades pour fuir les tourments de la guerre. Mais rares sont ceux qui se sont vraiment élevés contre ce qui se passait. Un jeune interne de l'époque, il s'appelle Lucien Bonafé, passe d'hôpital en hôpital et ne supporte pas ce qu'il voit. Parmi les drames que nous avons vécus, c'est le spectacle de ces gens dénutris qui erraient pour arriver à manger quelque chose. Ce dont, justement, je réfère à l'observation de Séraphine de Senlis, hein, l'observation médicale, qu'elle est morte à Clermont-d'Oise, n'est-ce pas? Et on écrit, le 28 décembre 1941, on note les symptômes de carence de la pathologie concentrationnaire. En 1942, cueille de l'herbe pour en manger la nuit et mange des détritus, comme les interniers y étaient alors contraints. Elle meurt le 11 décembre 1942, l'une parmi, etc. Voilà. Mais ça, nous l'avons vécu. Et ça fait partie des grandes choses dont les gens ont du mal à reconstituer la mémoire. Devant l'ampleur du drame, Lucien Bonafé sonne l'alarme en faisant scandale dans une assemblée de psychiatres. Il en est exclu. Alors il entre en résistance, se fait nommer au vert à Saint-Alban, petite forteresse asilaire au fin fond du Gévaudan. Il y croise d'autres résistants, comme le poète Paul Éluard, qui se fait passer pour fou. Il n'y a rien à manger ici non plus, et la terre est hostile. Alors avec sa petite bande, ils font le tour du voisinage, placent leurs malades directement chez les paysans, qui les nourrissent en échange de menus travaux, sans jamais aucun incident. Il faut voir qu'il y a là tout un courant de pensée scientifique, mais aussi de pensée militante, qui faisait que des gens de cette envergure ont pensé en même temps le drame de l'époque et en même temps les solutions pour en sortir. À la Libération, des inspections commencent par être ordonnées dans tous les hôpitaux pour essayer de comprendre. Le fonctionnaire qui visite Clermont est effaré. J'ai vu le spectacle d'une telle misère morale et psychologique, d'une telle famine, qu'il nous plonge en plein Moyen-Âge. Des salles pleines de malades décharnés, squelettiques, couchés en raison de leur extrême faiblesse. Presque tous sont couverts de vermine et de gale, zébrés de lésions, de grattages infectés, atteints de furoncles et d'anthrax suppurants. Draps et chemises sont sales et en loques, le linge n'est changé que tous les 2 mois et lavé à l'eau froide. Il manque du désinfectant, du charbon et du savon. Est-ce qu'un scandale éclate, la guerre terminée? Non, c'est juste l'heure du bilan. Sur les 120 000 patients avant-guerre, il en reste la moitié. En comptant ceux qui se sont fait interner pendant le conflit, les hôpitaux psychiatriques ont enterré 78 287 patients en 5 ans. C'est 45 000 décès de plus par rapport à une période normale. C'est comme cela que l'on calcule ce bilan effarant. Par déduction, une surmortalité qui aurait rasé l'équivalent d'une ville, comme Arras, ou Vincennes, ou Castres, 45 000 habitants.
On ne peut pas, comme on l'a fait par exemple pour les victimes juives, on ne pourra jamais établir une liste des victimes. Donc ça, c'est la grande différence, et sur un plan mémoriel, c'est évidemment compliqué. Ce drame tombe aussitôt dans l'oubli, y compris dans les asiles. On ne l'enseigne même pas aux futurs infirmiers et psychiatres pendant des décennies. Quand certains avancent l'idée d'une responsabilité publique, ils se heurtent au mur du silence. Dans ces ballots donc de linge, dans ces ballots qui sont des ballots faits de draps, on mettait les habits dits civils que portaient les patients à l'entrée de l'hôpital. On mettait donc ces vêtements enveloppés dans ces draps avec une étiquette, leur nom et la date de leur entrée. Or, ces ballots, vous voyez là, il n'y a pas de date de sortie, mais des dates de mort. C'est-à-dire que ces patients sont morts ici, sans avoir jamais remis leurs habits dits civils. Pourquoi vous ne les ouvrez pas ? Parce que, je dirais, par respect. Vous ne souhaitez pas que ce meurtre de masse soit connu. Je l'ai appris, moi, lorsque j'ai pris mon premier poste à Châlons-en-Champagne, c'est mon premier poste de chef de service en 71, et la surveillante, qui avait été une ancienne résistante d'ailleurs, m'a montré un pavillon en me disant, eh bien ici, la moitié des malades, c'était des femmes, sont mortes pendant l'occupation. Bon, j'ai pas eu de détails, mais j'ai compris. À Mondevergue non plus, pas un mot jusqu'à ce qu'André Castelli fouille dans ses vieux papiers et demande aux infirmières qui travaillaient ces années-là, notamment à l'une d'entre elles, Jeanne. Lorsque je leur en ai parlé, l'approche n'était pas simple, quoi. Parce que je leur parlais de quelque chose dont elles n'avaient pas forcément mesuré à quel point c'était une situation de drame dramatique. Lorsque Jeanne me raconte un soir chez elle qu'elle se souvient dans le pavillon où elle était, que la nuit, les malades, les femmes descendaient doucement dans le réfectoire pour mouiller la pulpe de leurs doigts et essayer de récupérer des miettes de pain au sol pour manger un petit peu, plus que ce que le rien qu'elles avaient eu au dîner du soir. Voilà. Jeanne, doucement, je lui parle du phénomène exterminatoire, de la volonté politique qui a eu de restreindre. Et elle me dit, mais bon, nous, on s'en est pas aperçu. Voilà. Comme on les voit tous les jours, on s'en aperçoit pas. Nous, on les voyait tous les jours, ça peut pas être flagrant, ça peut pas nous sauter aux yeux. Ça maigrissait tout doucement, quoi. Est-ce qu'elles étaient comme ça, à la fin ? Ben oui, ça m'étonne pas. Mais on restait avec l'image qu'elles avaient eue avant. Mais ça se savait qu'il y avait des problèmes à l'hôpital psychiatrique ? Oh ben les gens le savaient, mais il y en avait que ça leur passait par-dessus la tête. Hein. Vous savez, les gens sont égoïstes dans la vie. Hein. Ils pensent à eux. Le reste, ils en ont rien à fiche. Hein. C'est un peu normal, dans le fond. C'est vrai. Aimée sait de quoi elle parle. Elle qui se balade avec des tracts cachés dans son soutien-gorge, elle s'est fait dénoncer par une collègue fasciste juste avant la libération. Alors après, oui, quand son mari est rentré, ils ont repris leur vie, besoin de normalité. Seul Lucien Bonafé a de nouveau tenté de faire du bruit, sans succès. Bonafé, pour ne parler que de lui, en a beaucoup parlé. Sauf que il n'a pas été entendu. C'est Max Lafont qui, 35 ans après la guerre, en 1981, va mettre les pieds dans le plat avec sa thèse que son éditeur intitule « L'extermination douce », un terme qui ne passe pas chez les historiens, au point que l'on ne parle que du titre et pas du drame. Le titre « Extermination douce », il a attiré beaucoup d'ennuis parce qu'il a été très mal compris. J'ai toujours dit que c'était pour faire le contrepoids par rapport à une notion d'extermination dure qui était la forme d'extermination utilisée par les nazis de façon tout à fait programmée, programmatique, qui était l'opération T4, etc. C'était pour vraiment dire, voilà, en France, il y a eu effectivement des malades mentaux qui ont été
négligés, jusqu'à en mourir. Est-ce que vous revendiquez le fait d'avoir quand même donné un coup de pied dans cette... Oui, j'ai donné un coup de pied, je m'en serais bien passé, parce que c'est vrai que si j'aurais préféré que mes travaux, si vous voulez, aboutissent au fait que, comme l'espéraient certaines des personnes qui m'ont accompagné, que, de dire que bon, on avait exagéré, qu'il n'y avait pas eu tant de morts, que c'était pas si grave que ça, etc. C'était pas le cas. Max Lafont écrit sa thèse à l'hôpital du Vinatier à Lyon, qui à l'époque veut comprendre. L'accès aux archives a toujours été difficile, sauf que par chance, pour moi, et pour ce travail, j'étais un médecin d'établissement. Donc j'ai eu accès aux archives. Et au même moment, de jeunes chercheurs de type plutôt journaliste ou historien n'avaient pas accès. Je l'ai su beaucoup plus tard, hein. Ils avaient demandé, mais ils n'avaient pas accès. Et moi, j'ai eu, au contraire eu un accès, on va dire, facile. Tout simplement, j'avais la clé pour aller dans les locaux des archives. Je l'avais et je ne la rendais pas le soir. Hein. Mais quand la thèse est reprise dans les journaux, que le débat s'étend, les historiens ont des mots très durs, comme « le placard vichyste est déjà bien encombré sans qu'il soit besoin de l'enrichir de nouveaux cadavres ». 30 ans plus tard, si Clermont-de-Loise commémore chaque année ses victimes dans son cimetière devenu trop grand, d'autres hôpitaux ne veulent plus en entendre parler. Le Vinatier, qui a lui aussi son espace culturel, est le seul qui ne nous a pas autorisé à tourner. Une plaque du souvenir a été retirée. La polémique est toujours là. J'en ai pris plein la tête. Mais bon, de toute façon, voilà, j'en ai pris plein la tête, et puis voilà. C'est vous pas. Quoi, d'en avoir pris plein la tête ? Non, de l'avoir fait. Ah non, sûrement pas. Une tragédie à 45 000 morts dans les asiles et autant dans les hospices, sans compter les orphelinats dont on ne sait pas grand-chose. Me voici au terme de mon enquête. J'ai pu rencontrer beaucoup de monde, lire des kilomètres de documents, mais si j'en viens à une conclusion, c'est qu'il serait malhonnête de vous résumer cela avec deux camps, les bons et les méchants. Il n'y a pas un coupable, personne ne l'est vraiment, à moins que tout le monde ne le soit. La faute à qui ? C'est les bonnes sœurs qui s'occupaient de ça, ben pour moi c'est tout, hein. C'est leur faute. Non, moi je me sentais pas coupable du tout, parce que je faisais ce que je pouvais le mieux possible. Alors le reste, hein. C'est une mauvaise gestion. C'est terrible alors de dire ça comme ça. Ça ah bah, non-assistance à personne en danger. Moi, je les aimais, les malades. C'était ma vie, hein. Quand je passe à... Là, je suis pas rentré hier, tout ça. Quand je passe... Tout le monde en veut à Paul, en fait. Très, très souvent, on en veut à Paul, c'est ce qu'on me dit. Mais moi, d'abord, c'est mon grand-père. Et puis ensuite, je ne peux pas faire la morale à personne. J'ai pas... De quel droit je ferais la morale? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, hein? Je pense que vraiment, si culpabilité il y a, elle est profondément collective. Hein. C'est la façon, enfin, pour moi, c'est la façon dont la société traite ces malades mentaux qui est en question. C'est pas Vichy, c'est pas le régime nazi et l'occupant, et c'est vraiment la façon dont la société traite ces malades mentaux. Il faut bien que nous arrivions ensemble à dire que la cause de ce drame, c'est tout de même notre lâcheté sociétale à l'égard des plus démunis, des plus malades, des plus pauvres. Voilà. C'est ça la vérité. Nous, les témoins de l'extermination douce, nous avons commis une erreur gigantesque. Nous ne nous sommes pas fait accompagner par des huissiers dûment mandatés pour pouvoir rendre compte d'une façon incontestable de ce que nous avions vécu. Méfiez-vous, parce qu'après-demain, ça sera pareil. Ce que vous subirez si vous n'en laissez pas des traces, comme ça, indubitables pour n'importe quel... rat de bibliothèque de demain, hein, on va dire que c'est pas vrai ce que vous avez subi.
71 ans plus tard, une pétition réclamant la reconnaissance officielle de ce drame recueille 80 000 signatures. Le 10 décembre 2016, la République française va reconnaître que oui, cette histoire est bien vraie. Nous sommes rassemblés pour rendre à la lumière des existences sur lesquelles la société avait préféré jeter les témoins. Cette hécatombe n'a pas été voulue, n'a pas été planifiée. Non, cette hécatombe est arrivée par indifférence, par l'oubli, par l'ignorance. François Hollande a fait graver une plaque en hommage à ces fous oubliés. Elle est là, en plein parvis des droits de l'homme. Et si, à défaut d'avoir pu apprendre cette histoire dans les livres, les passants tombent dessus, un jour, au hasard, en admirant la Dame de Fer, au moins, ils sauront.